19h, on y retourne sans complexe. C'est le nouveau stream du jour et aujourd'hui on va continuer d'enrichir notre encyclopédie des shmups avec cette brillante chose que vous pouvez entendre derrière. On va se situer un petit peu sur la timeline, on est en 1987. Et en 1987, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la génération des 8, 16, 30, 16, 32 bits qui est arrivée. Et qui commence à se répandre, notamment grâce à ces machines du diable que sont le ST et l'Amiga. Et du coup, bah, le jeu vidéo suit lui aussi et commence à avoir quelques évolutions. On commence à avoir du boulot de graphisme, on commence à avoir du boulot de bande-son. Et puis, le programmeur, qui s'ennuie un petit peu dans ses patterns, commence à réaliser que ça serait bien de faire un gameplay, comme on dit. C'est un nouveau mot, oui, où les bouffe-pièces usuelles réalisent que pour mieux captiver le client et le garder, surtout, bah, il serait peut-être intelligent de mettre un petit peu de souplesse dans la maniabilité des jeux. Aujourd'hui, on va se faire un titre que je ne connais absolument pas. Regardez-moi cette belle jaquette. Terraforce. Moi, je vois ça, c'est un film, c'est un dessin animé, c'est tout en même temps, le Cirque Grus fait ça aussi, c'est extraordinaire. Donc Nichibutsu, je vous en ai déjà parlé de Nichibutsu, oui. Développeur très très productif dans les années 85, bah, toujours sur les bons coups. Et là, sur ce coup-là, là, ils ont dit, eh les gars, va falloir s'enlever les doigts là, vous avez vu ce qu'ils font les autres? Moi, je le veux ce jeu, mais en mieux. Et de quel jeu tu parles, boss? Moi je veux un Gradius de Nichibutsu. Oui, je veux un Gradius de Nichibutsu, mais en 10 000 fois mieux. Et vous allez me le faire. Oui, mais quand, boss? Maintenant! Vous avez vu ça, comme je fais bien le boss en plus? Et donc on va regarder ensemble ce que ça donne, ce damné Terraforce. Non, il n'y a pas de fail. Je me permets de me marrer un peu. J'en suis à un taux de pourcentage de démarrage de stream sans fail de. Ouais, j'ai dû monter à 35% à peu près. Terraforce. Alors, les gens qui auraient pensé Broforce, comme ça, sans réfléchir, ont tout juste. Hein. Vous voyez la typo, c'est pareil. Alors, effectivement, c'est très beau. C'est bossé aux petits oignons, c'est magnifique. Là, on profite pleinement de la puissance des machines 16-32 bits. Maintenant, reste à voir si c'est jouable. Alors, vous connaissez en plus mon talent inné pour les shmups horizontaux. Je pense qu'il y a moyen qu'on rigole. On va regarder s'il n'y a pas une deuxième démo, des fois que. Ça fera peut-être voir plus loin que moi où je vous emmènerai. Oui, regardez-moi ça, ce typo. Terraforce, Broforce. Oui. Si ça s'avère jouable, il y a de fortes chances qu'on ait là un bon jeu. Oui, je dis rien, je le découvre réellement, hein, en même temps que vous, donc. Alors le décor c'est un peu chaud parce qu'on est tenté de l'éviter mais apparemment on peut passer dedans du moment qu'on va peut-être pas faire des guillis sur le bord de l'écran vraiment. J'avais repéré ça, je voulais voir. Oh, mais il y a une phase verticale, c'est génial. Ce jeu vient de faire un trou dans mon blindage de l'hermétisme. Il se rapproche inexorablement de mon petit cœur. Et il y a moyen que je le kiffe vraiment, quoi. Donc c'est un stage bonus, en fait, quand vous passez dans les. Moi, je croyais que c'était vraiment un truc alternatif. Bon, c'est vraiment alternatif, vu qu'on est vu de dessus. C'est super rigolo. Oui, j'avais pas essayé le bouton bombe. Il était temps. Et je peux redescendre, mais trop fort les mecs. Ce shmup n'ira pas à la malle au grenier, c'est clair. Alors, faut bien noter que 87, c'est l'année où d'autres studios secrets. Ah, moi, ça me fait rigoler ça. D'autres studios secrets préparent un titre absolument révolutionnaire qui va démonter tout sur son chemin. Oui, c'est R-Type.
Il est terrible ce truc. Bon, il est peut-être un poil facile. Ça, c'est le petit reproche que je vais lui faire. Alors, j'ai des bombes, mais en fait, les bombes, faut que je les garde pour les gros trucs, quoi. Parce qu'apparemment, il flingue quand même ce qui est au sol. Bouge pas, le boss, je m'occupe de toi. Merde. Ah, mais j'ai plus de bombes! Ah, je me suis fait avoir. Je me suis emporté un petit poil. Ce jeu me fait délirer. C'est du pur jus S32. Il me donne presque envie de vite foncer sur Amiga vous faire voir Battle Squadron et Ibris. J'ai cru qu'une fois que c'était sorti de l'écran, c'était bon. On était débarrassé. Mais non, et j'ai trouvé moyen de balancer ma bombe hors de l'écran quand même. C'est génial. Ami viewer, si tu me vois jouer sur ce titre, fais exactement le contraire de ce que je fais. Parce que c'est pas top pour l'instant. Non, on va les laisser passer, ils ont l'air sympas. Tu peux pas avoir un méga, comment dirais-je, bonus ou un truc associé à ce genre d'appellation. Voilà. Alors, bombe, tu en as une. Pense à lui mettre dans la tronche. Pense à ne pas la mettre hors de l'écran, parce que c'est moyen. Elle est pas partie, ta bombe. Elle est pas partie, ta bombe, man. Elle est jamais partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. On va quand même se le passer, ce boss. Vous en dites quoi? Bah oui, ce serait bien quand même. Puis du coup, je suis curieux maintenant. Et la curiosité est un très très bon défaut. Alors, j'élude le mystère mystérieux de la bombe parce que. On va dire qu'on va passer le truc sans la bombe, ce sera plus simple. Hein. Il y a moyen, c'est pas si compliqué que ça. Regardez-moi ce skill de fou. Alors oui, je fais plus trop de commentaires parce que j'ai envie de jouer du coup avec ce truc. Il est vraiment super jouable, c'est assez rigolo. J'ai dit que j'arrêtais de faire le con, moi. Et il s'est barré. Ah, c'est moche ça. Rebasculons en scrolling horizontal. C'est terrible. Oh les petits traîtres, bien planqués dans le décor. Et dis donc, la hitbox chez les ennemis, c'est pas énorme non plus, hein. Genre les mecs ils font 16 sur 16, mais. Non, 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 on va pas être potes pour les hitbox. On va vraiment pas être potes pour ça. C'est quoi ces trucs-là, là, 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 là. Tu vas avoir un bonus? Un truc sympa. Non, je vais rester en horizontal parce qu'on a fait beaucoup de vertical et c'est peut-être pas la peine de gâcher quoi. Oh, le fumier. Alors ce jeu va aller dans les sélectionnés, mais je reste perplexe sur la durée. Il faudrait que je l'expérimente en entier. Alors on va pas le faire en entier aujourd'hui. Petit souci de planning, on va dire. Mais voilà. Il mériterait, il mériterait. Alors, il y a des chances que peut-être un jour je le restream du coup. Parce qu'il est loin d'être désagréable. Alors, il a ses petites choses à lui, quoi. Ses petits défauts inhérents propres à son époque et à son design. Mais franchement, c'est une réussite. Hein. Moi, je m'attendais pas à un truc
aussi jouable de la part d'un éditeur qui a tendance à faire plus dans la quantité que la qualité. Je me casse. Regardez-moi ça, cette verdure, comme c'est magnifique. Et tous ces petits moucherons là. Il y a intérêt à bien cartonner tous les trucs, hein, parce que... voilà ce qui peut arriver. Salut! Je veux bien du bonus. S'il te plaît. N'essaye pas de casser ce qui est incassable, ça ne marchera pas. Encore un boss? Je serais beaucoup trop surpris. Non, pas dans le centre de la terre, en horizontal. Mais non, tu vas te noyer avec ton vaisseau. Alors, il faut bien penser à fermer la capote hein, quand on est dans un vaisseau qui va en mode submersible, puisque on pourrait avoir des problèmes sinon. Mais ça a été prouvé de nombreuses fois. Il est terrible ce jeu, il est terrible ce jeu. Mazette, il commence à devenir un peu hard là. Hein. Il y a des moments, je suis obligé d'accélérer ma fréquence de fonctionnement cérébral. Je vous rappelle qu'en général, moi je dépasse pas les 33 MHz. Hein. Je suis resté à la même fréquence qu'un Motorola 68000. Et donc voilà. Jeu d'expérience. Tu es totally validated toi. C'était donc Terraforce, je vous refais voir le flyer, il en vaut la peine du coup le gars. Terraforce, donc au lieu d'être juste un flyer spectaculaire, tu as en plus un jeu qui ne l'est pas moins. On va te garder avec affection et te ressortir de temps en temps, puisque tu mérites d'être exploré de fond en comble. Franchement, il y a des tas d'idées, c'est réalisé proprement, c'est parfaitement jouable, essayez-le, je vous le recommande. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles, vous n'aurez pas de stream bonus puisque celui-là était trop génial. Et par contre vous avez le droit de vous abonner, d'abonner des copains, des animaux, voire même des gens morts. Faut qu'on atteigne les 100 très rapidement. Merci, merci, à demain, ciao.